Et en culture, Eriti Watanabe va se produire ce dimanche 25 décembre au stade des Martyrs. Toutes les dispositions logistiques et sécuritaires requises ont été prises pour le bon déroulement de ces spectacles. Eh bien, l'artiste musicien l'a dit au cours d'une conférence de presse animée via Kinshasa. Organisé à l'espace Pigeon Vert dans la commune de Bandalungwa, cette conférence de presse qui intervient après les préparatifs du concert effectué en Afrique du Sud a eu pour objet les assurances de l'artiste et des organisateurs sur la tenue de cette production. Nous vous pensez pour que ça concerne bien, concerne vos alas. Nous pensez faire un très bon spectacle, même à la carnaval, la balance en haut. Et c'est tout autre du stade Oyemba. Imagine que la propre frère, la joie orchestre, la qui n'a pas pris. Vous savez ce que ça m'a coûté? C'est les yeux de la tête. Et après, je me disais que la mission est là, la famille, la bande de problèmes, la plus concentrée. Et je pense qu'ils sont prêts à le faire. Et le plus grand défi, c'est la sécurité. Tout est OK. De la logistique et de la sécurité, tout a été mis en œuvre pour le bon déroulement du concert. Côté instrument, bonjour à Brésilien, instrument, et aussi Libanda, et à Kinangola, la ministre Oyo, et Zanantela, et Oya, et Kota, et Kota, et Kinshasa. Nous avons publié un côté, et la camion, et nous avons à la frontière, tout comme ça. Pour compléter, on n'a plus de Brésiliens. Capacité d'instrument. Nous avons plus ou moins 500 000 kW autour de ça, pas des martyrs. Avec à son actif deux albums, Ritirada et Mi Ange Mi Démon, Eriti Watanabe est face à un défi ultime de sa carrière. De sa carrière dite d'honneur, celui de célébrer la musique devant 80 000 personnes. Chose qui se confirmerait déjà par l'épuisement des stocks de billets d'après les organisateurs.